Et que la confiance, on ne le met pas chez les hommes. Parce que l'homme n'a rien à te donner. Mais notre confiance, on le met à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de donner toutes choses. Yes. Et lorsqu'on place nos confiances à Dieu seulement, Dieu a la capacité de relever. Même si Ozaki a koukoué, Obanaï koukou, ça y est l'eau comme côté. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de te donner la solution par rapport à ton problème. Beaucoup de personnes aujourd'hui basent dessus par rapport à faux miracles, par rapport à fausses prophéties. Tout simplement parce que tu as eu espoir bâti par ya bâtu. Or, mon toisan a ma coquille à copier sa moutou solution. Zaka kanzambé na zaka na ma coquille ya copier sa moutou solution. Voilà pourquoi mon message ya après-midi à l'élo, et zala koué bisa moutou mou kozo l'andabi so de partout à Zali, azwa espoir pe likia nae a fixé par nzambé parce que zaka kanzambé na zana ma coquille ya kosa la ma kam oyo moutou à zana ma coquille au salaté. Qui sont en train de vivre la main de Dieu par rapport au programme que Dieu nous inspire de faire. Alors, c'est pour soit comme miracle, parce que nous avons coquille à l'ata, le kumouana, et nous avons une coquille à l'ata, le kumouo et à zosala. Parce que toujours, je le répète toujours, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu qui agit au travers de l'homme. Et puis, il y a des instruments qu'on a utilisé afin que plusieurs puissent expérimenter le bon côté de Nzambé. Voilà, à tous et à toutes, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. L'Isola Voyage Sengara, une bonne adresse et Sengara crédibilité. Et c'est la fiabilité, mais aussi la rapidité. Alors, yo, Skokyo Mbongo, Kosiyo, de gauche à droite, venez rapidement chez nous, agence de voyage, les corps, et Zawana pour nous soutenir, pour vous assister dans vos démarches et voyages. Alors, nous sommes arrivés à la fin pour cet entretien. Appelez-nous, nos adresses sont affichées, les numéros sont affichés, et vous serez totalement bien servi. Merci beaucoup. Chut. Oh, y'a vu qu'il y a des sommets de l'eau qui ont raté. N'a-t-il qu'il y a des français. Moi, j'ai dit de faire le tirer au Canada, échoué. Mon passion. Ma bébé, si tu visais ma bébé, tu te l'as dit à l'aéroport. Ce sont les Yokiango. Ah, tu l'as mis sur. Quand ça, c'est Yokiango. Yéwana, moi, j'ai dit que tu n'as pas de la bambou. Guerre d'esprit ya nini tu zakana yango. Baruba, mutwa tunaka aliaka nyama ikirati. Uya nga mwana. Enko une femme, Canada. Osala gende nini. Pa, yo momo ni bisoto tamboli awa lingwala zona tuchasa mu baba kotse to batrete. Poto retrouver place au tomoni bouyé. On peuple péri faute de connaissance. Makelele et tondi ki chasa mu bimba. Mais ba ose le loko. Tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma. Moi, n'a pas qu'il a vous foutre combien pour mettre défini le terrain avant le Canada. Singleton, pour te bénir, mon tomoko, ils en ont 7 dollars. Couple, ils en ont 15 dollars. En famille, peu importe le nombre, ils en ont 20 dollars. Alors, on a informé, puis nous avons servi, nous sommes tous en amour, dans 4 agences, nous sommes les corps, entre express, Canada Mutual Service. Nous avons une inscription à l'université à Ottawa. Nous avons une inscription à l'université à Moncton. Nous avons une inscription à l'université à Trois-Rivières. Nous avons une agence au Canada et à Syrie. Entrée Express Canada, Société Amitié Service Licor. Grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis, téléspectateurs, vous nous regardez sur Équilibre TV. Soyez les bienvenus, Jérémy Lemba, les Renards du Désert, est en face de vous, à toute la communauté. On est ensemble pour de vrai. Alors, je reçois pour vous le jeune prophète Samuel Lemba, qui revient après plusieurs mois d'absence. L'homme était concentré. Par ses activités, les actions évangéliques et autres. Il est revenu, on va l'écouter. Makambo Nzamalobi Ponaye, l'enseignement, les messages, je crois que
nous serons tous dans la joie. Merci beaucoup à Mimi Ndoumé depuis Mouching là-bas, en Allemagne. Mimi Abandoumé, les célèbres Dien Zundu à Washington. Sema Mayasi, femme légitime à Jean-Si Mayasi, Forza Italia. Et clin d'œil spécial à mon président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. On est de cœur avec vous. Le prophète Samuel Lemba, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Voilà, merci beaucoup d'être là. Bandeko moi et belé ba monio, bonne santé, bonne activité en Zambé. Oui, santé ça va, pe ba activité ils ont évolué par la grâce de Dieu. Tozoko banangolu en Zambé. Est-ce qu'on peut prier avant tout? Oui, pas de problème, prions. Père éternel, Dieu de grâce, nous te bénissons pour ces instants. Tu nous as réunis dans ta présence, Père, car tu dis dans ta parole, là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Je bénis ces moments dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vais aller tout droit au but. Hein? Yes. Actuellement, bah, chrétien, il est découragé parce que ce que nous sommes en train de voir à travers les médias, c'est tellement compliqué. Yes. Des faux miracles, un faux aveugle à mon église, un faux handicapé à Tamboli. Les guerres entre les hommes de Dieu et puis et celle qui va nous mingi va perdre peu qu'on dit manabango. Ok, par rapport à ces choses, par rapport à tout ça, alors yo zam messager nzambe apesio enseignement nini toi apesio révélation nini. Okay. Par rapport à évolution église corps de Christ et le nom. Merci pour la question. Je vais débuter mon enseignement dans le livre de Genèse chapitre 1er les versets 1. La Bible déclare que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Très bien. J'aime cette introduction parce que la Bible commence avec le mot, avec le nom de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais j'aime la suite. La Bible déclare que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. C'est-à-dire que j'ai compris une chose que à chaque fois qu'il y a l'informité, à chaque fois qu'il y a le vide, cela est l'appel, on appelle Dieu à faire quelque chose. Cela appelle Dieu à commencer une œuvre. Parce qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas d'espoir par rapport à la terre. Mais lorsque Dieu a vu que la terre était informe et vide, la Bible déclare que Dieu est venu pour créer. Ce que je dirais à tous les internautes qui nous suivent de partout, est que la confiance, on ne le met pas chez les hommes. Parce que l'homme n'a rien à te donner. Mais notre confiance, on le met à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la capacité de donner toutes choses. Yes. Et lorsqu'on place nos confiances à Dieu seulement, Dieu a la capacité de relever. Même si Ozaki a koukoué, Obanay koukoukoussa et l'eau comme à côté. Lorsque tu mets ta confiance en Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de te donner la solution par rapport à ton problème. Par rapport à la question que Outikotunabiso, beaucoup de personnes aujourd'hui basent dessus. Par rapport à bah, faux miracles, par rapport à bah, fausses prophéties, tout simplement parce que tu as eu espoir de bâtir pas à battre. Or, tu as eu un espoir de solution. Tu as eu un espoir de solution. Tu as eu un espoir de solution. Voilà pourquoi mon message, il y a après-midi à Lélo, il y a un espoir de solution. Tu as eu de partout à Zali. Azwa espoir pe likana e a fixé pa Nzambe parce que zaka ka Nzambe na zana makoki ya ko sala makamu oyo mutu azana makoki o salate. Alors ça c'est très bien dit. Une fois nous étions invités au Benga Ibisho na jardin botanique. Yes. Il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu. Est-ce que les images sont là, les photos tout oui, ça? Oui, les photos sont là, les images et je crois réalisation et conseil à la Bissonion surtout. Les images sont là, et on se prépare déjà pour d'autres activités. On a besoin d'inspirer Bissot, juste après, parce que dans mon église, nous avons 40 jours de prière, de jeûne et prière, au Tozo le Beladoxa. Donc on est en train de parler de Doxa, juste après ce programme. C'est quoi Doxa? Doxa, c'est la gloire manifeste. Doxa, c'est en grec, qui veut dire la gloire manifeste de Dieu. C'est-à-dire que nous avons talisa kembo ya bato e batama na kati. Il y a beaucoup de personnes bazana ba grâce bazana ba ngolu et notre passage tous ozongo na kati ya Jean chapitre 2 là où bazolo ba histoire ya Jésus-Christ o abongola ki mai et koma ki vin. Il y avait des gens qui étaient dans le besoin. C'est comme quelqu'un qui m'entend en ce moment. Tu es dans le besoin de quelque chose. Et lorsque tu te confies au Dieu de la doxa, il est capable de changer l'eau en vin. Et on parle de la doxa comme étant le changement de vie. C'est-à-dire que le premier miracle, oh Jésus-Christ, c'est la conversion. C'est-à-dire que mes mamans, ils ont comme ma vie. De la même manière que quelqu'un est en train de me suivre, il a un problème. Mais lorsque Jésus-Christ arrive,
ayaka ko convertir ba problème wana et comme ba solution. Voilà pourquoi j'en profite de l'occasion pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un azana kati a désespoir. Quelqu'un azana kati ya ba question ebélé. Il y a d'autres personnes bazana ba kati ba stérilité. D'autres personnes misa les o kené libosoté. Je décrète et je déclame comme prophète de Dieu que nzamba pe sa solution dans le nom de Jésus parce que le Dieu de la doxa, il est le Dieu de la solution. Alors, tu es plus dans les actions évangéliques. Oui. Vous rassemblez les gens oui. Pour leur prêcher, leur enseigner. Est-ce que tout bien que ça va changer botanique en tant que ça action. Et cette fois-ci, nous serons là. Oui. L'équilibre sera avec vous. Et nous allons vous accompagner. Yes. Bato Bayakawana, après, il gagne quoi? Qu'est-ce qu'il gagne? Bon, en fait, déjà, est-ce qu'il y a des témoignages? Il y a des guérisons, miracles? Est-ce qu'il y a des gens la jeune prophète Samuel Lemba. Oui, il y a des témoignages, il y a des gens qui sont en train de vivre la main de Dieu par rapport au programme que Dieu nous inspire de faire. Alors, c'est bakamunyo soana comme miracle bisozon sakakembo ka pa nzambe. Parce que mutozana makokite ya ko lata lokumuana, izaka ka nzambe nazana makoki ya ko lata lokumu o e azo sala. Parce que to lobaka toujours, puis je le répète toujours, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu qui agit au travers de l'homme. Et puis, il y a des instruments qu'on a utilisés afin que plusieurs puissent expérimenter le Boko Yanzambe. Mais j'aimerais parler aussi d'une chose, seulement dans Genèse, ce que j'aime. La Bible déclare une chose que lorsque Dieu crée le ciel et la terre, Dieu avait une pensée. Nous avons un objectif. Et l'objectif de Nzambe, c'est qu'il y ait la moutou. Mais j'aime une chose, la Bible déclare que Dieu a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que Dieu se repose parce qu'il est fatigué? Je ne crois pas. Parce que notre Dieu, à quoi qu'on l'embatte, il est l'omnipotent. C'est-à-dire qu'il agit, il est un Dieu qui est suprême. Mais la Bible précise une précision que Dieu se reposa au 7e jour. Pourquoi est-ce que Dieu devait se reposer? Dieu se repose parce que Dieu avait créé un nouveau créateur. L'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme Genèse nous les explique. Et lorsque Dieu se repose, cela veut tout simplement dire que Dieu a créé un nouveau créateur. Et ce que j'aime avec le nouveau créateur que Dieu crée au nom d'Adam, il a manifesté sa première gloire dans ce que j'appelle la puissance de la nomenclature. C'est-à-dire que la Bible déclare que Adam avait la capacité de nommer tous les animaux. Il a nommé les reptiles, il a nommé les volailles. Il a nommé les animaux qui sont aquatiques. Tous ces animaux étaient nommés par Adam. C'est-à-dire que, et j'aime une deuxième précision que la Bible déclare, ce n'est pas Adam qui partait vers les animaux pour nommer, mais c'était les animaux qui venaient chez Adam pour savoir comment est-ce qu'il devait être nommé. Alors, ce que je suis en train de dire à quelqu'un, étant qu'humain, Dieu nous a donné le pouvoir de la nomenclature. C'est que nous avons la capacité de nommer des choses et des situations qui nous arrivent. Et ce que j'aime aussi, avec cette puissance, Jésus-Christ l'utilise. La Bible déclare que les gens sont venus dire à Jésus que Lazare est mort. Et lorsque les gens disaient que Lazare était mort, j'aime ce que Jésus-Christ répond. Jésus-Christ dit, Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. C'est-à-dire que par la puissance que Jésus-Christ avait, il a pris cette situation-là à Pessiang Okombo Moussousou. Voilà pourquoi il y a des personnes, des maladies zo comme la bango, stérilité zo comme la bango. Et lorsque stérilité comme li bango, bazone dit mapé bazolo ba que je suis stérile. Je suis venu dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es stérile parce que tant que ima, étant que homme, Dieu t'a donné la capacité de nommer la chose qui est en train de t'arriver. Peut-être yo zo mon ango stérilité, mais je suis venu te dire que tu n'es pas stérile, mais ce que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être tu es dans le chômage. Toi tu es en train de nommer que je suis dans le chômage, mais je suis venu dire à quelqu'un, par la puissance que Dieu t'a donnée, tu peux changer ces chômages pour commis au kosal. Rose dans la situation financière et zotambolaté. Yo kolobate kozampiaka. Parce que j'aime un homme de Dieu qui dit une chose, nous ne devons pas dire que je suis malade. Parce que la tribu je suis est réservée qu'à Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il est je suis, tant qu'on se révéla qui est pas à Moïse. Nous, on doit dire que j'ai une maladie. Parce que lorsque tu dis que je suis malade, tu t'es aussi identifié comme étant une maladie. Or, nous ne sommes pas des maladies. On peut être malade, on peut avoir des maladies, mais on n'est pas de maladie.
par rapport, parce que la Bible me dit aussi une chose, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Mmh. Alors, comme étant de Dieu, tu dois déclarer des choses positives. Amen. Voilà pourquoi je déclare pour toi, yo maman Zolanda Bisso, laisse que des choses commencent à s'aligner dans ta vie. Amen. S'il y avait des choses qui ne marchaient pas, par la parole que je suis en train de déclarer, que des choses commencent à marcher dans le nom tout-puissant de Jésus. Mmh. Que Dieu commence à être cause de sa stabilité. Ce que vous avez trompé, oh, et vous avez sa banate. Je déclare que nous avons sa moine. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, par rapport à cette vidéo et par rapport à cette émission, bateau, baza, stérile, nous avons sa banane. Amen. Si tu étais stérile, que Dieu te donne de l'enfant. Parce que nous avons tout ce qui est le papa Jérémie. Il y a des personnes qui sont louka, banana mouinda. Or, le Dieu que nous servons, il est le Dieu à pesa ka banana katia facilité. Je prie que cela est à la faveur et à bateau basol en abysso dans le nom de Jésus. Amen. Alors, en dépit des salons de Dieu, comment voyez-vous l'atmosphère aujourd'hui? Nous avons là-bas Kaibélé, la jeunesse est complètement perdue. Yes. Kindumba, l'impudicité, même dans les mariages. Oui. Vous savez qu'il y a une femme mariée, bah, quand elle est notée, elle a couffé dans mon bali. Ok. Donc, des choses comme ça. Peut-on dire que nous sommes au temps du soir, Dieu arrive bientôt, ou que soit encore, comment dirais-je, Ezali, signe aux autres qu'on annonce la fin du temps. Et tu peux dire quoi, la jeunesse, le est un peu distraite et tout, tu peux dire quoi? Et déjà, comme étant prophète, je parlerai par rapport à l'atmosphère de l'année 2024. Oui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le début de cette année, on avait à parler, il y a des hommes de Dieu aussi, au Balobaki, sur cette année. Et ça, année moko à ténèbres. Oui, ils ont année à ténèbres. 2024. Ils ont année à ténèbres. Comment ça? Et année à ténèbres, quand on parle de ténèbres, ça dit que année moko boe, oyo, puissance maléfique qui travaille tellement ma casse. Na katia ba vie, na katia ba famille, na katia bateau yo, au bazar ko aspirer, ko sel anzambe, même dans na ba ministre, ils ont année moko boe, ce qui osa na katia profondeur te, okoye ba kokoye. Voilà pourquoi qu'on remarquait. Et bien, tu as dit que tu as remarqué beaucoup de choses qui se refroidissent. Parce que c'est une atmosphère année. Parce que chaque année, il y a une atmosphère. Et lorsque tu as dit atmosphère, tu as dit que tu as travaillé selon l'atmosphère par rapport à ce qui déjoué le plan de l'ennemi. Alors, par rapport à tout ce qui arrive dans notre nation, il y a juste une alerte. Il y a collé bisabiso que makambu ya mabé makasi zo se préparer makasi parce que par rapport à calendrier prophétique cette année avant toko manasuka il y aura beaucoup de morts na kati ya République démocratique du Congo et ba mort mso e kozana ba naufrage ba mort mso e kozana kati ya ba accident il y aura des accidents même ba lieu public ba te belé ba kufi na mbala moko parce que le monde des ténèbres zo luka makila. Ils ont le sacrifice parce que Ezali Makambo est allé beaucoup plus le plan politique. Parce que sur le plan politique, Ezana Makambo est salement et il y a beaucoup de sacrifices. C'est que moi je dirais par rapport à Bato Bazo Landabiso, ils attendent beaucoup à cause de la carte de distraction. Ozali maman, concerter Bananayo, Baloukanzambe. Ozali papa, concerter famille Nayo. Base à la carte à présence en Zambé, parce que cette année, ils ont un nez moko boye. Si tu n'es pas dans la profondeur, au Kokende, ils ont quoi mon pépé, ils ont bêta. Alors, des gens qui seront dans la distraction, ils ont bangonde, bakoué, bako s'emporter. Mais heureux, et qu'aux à la bateau, et qu'aux à la carte à présence en Zambé, parce que la Bible déclare que celui qui demeure sous la bruit de haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, Bissot, tu as la carte à présence en Zambé, tu as bénéficié dans le monde de la faveur. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est bien dit par rapport à cela aussi, hein, parce que Bandekoumi va tellement dans Internet. Nos frères, je salamé dans le fleuve Congo. Bandekoumi va biki de justesse. Parce que Bandekoumi va intercéder dans la carte à Massou. Donc, canon rapide, ils ont chola. Mais ils ont bimapé Libanda. Bato bazo dinda, bango bazo prier. Entre temps, Nzamba secourir bango. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà donc. Ce sont des choses comme ça. Il est tellement merveilleux. Et puis plusieurs accidents de circulation, mort subite. Je crois qu'il est temps. Bato bazo un peu concentré. C'est ça. Tout le Nzamba. Et j'aime un verset qui dit un autre Dieu, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Ah ok. C'est-à-dire que lorsque tu es aux autres traversés un moment difficile. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, il est là pour sauver. Bien, Ezali, que
naufrage linga ke salema mais parce que babé la ki kombo à Jésus Jésus-Christ a ki abikisa ki bango. Mais j'aimerais aller encore loin pour dire notre Dieu n'est pas seulement celui au babé nga katan ou moni ke pas ses alliés parce que beaucoup aussi aujourd'hui azota mwana na ba vie na ye a osala o alingi mais lorsque comme n'a pas si c'est alors ka kemba mo pas Jésus non notre Jésus aza muto esengi toza na communion na ye. Kobika vie moko oza continuel, c'est-à-dire que vie moko ezali et katanakate. Ezakarate lorsque tu es dans le besoin, il y a eloko nde oké pas Jésus non. Jésus aza ko adoté, mais il est Dieu o esengé to adoré, peut-être ba ko salela et lorsque ba tempête koya, okomona ke Nzambe akoyé ba ko bikisa biso. Et je crois que batu oyo Nzambe bikisi ezali pe lié même na ba intercession ba parents na bango. Ils ont même lié la prière, il y a ma pasteur na bango. Ils ont même lié la protection. Oh yo, il y a ma prière, ma salle, en disant ma biki si bango na kati ba naufrage. Ils ont les témoignages pour na bango sur bazo tala, pe bazo mona que Dieu est vraiment Dieu et il est réel. Bato ba se confier à kanaye, ba e ba koyo ka sonité. J'aime une chose, bato belé ceux qui bazo na posé ba kisi. Et bazo posé ba mbongo, mingi ba kenaka pa banganga. Mais pourquoi est-ce que tant que bazaka na ba difficulté, ba bela ka komba Jésus. Il s'agit de prendre en compte que Jésus-Christ est terminé. Il y a des gens qui sont en peu importe le monde, mais si on a un temps, il y a un passe. Tout le monde couvre comme on a Jésus. Même il y a un monde qui est en comme un souka, il y a un Jésus. Parce que c'est lui le Dieu suprême. Et il y a un total à Kakaye. Parce que c'est lui la solution. C'est lui l'offrande que Dieu a donnée afin que nous soyons en train de se faire. Alors, quelles sont les conséquences de maman où il y a un demi risqué? Pasteur a sombi moral na ye na mbongo. OK. Maman wa ina croisade. Paul ba ki na za aveugle. Et là. Ba sa le prier Paul bi na moni ma ki na wana. Ba to ba so sala. Muto zo pratiquer ngwa ndimi. Ata am na ye en je vi na en je. Pour que a se pli sa pasteur. Ba impressionner ba to. Azana muto atambola ka normal. Mais na croisade wana ye abina za handicapé. A kosani ba tie na chaise roulante. Oui, la Bible le dit clairement. C'est Jésus qui le dit. Jésus a dit le baboué. Impudicité. Tout peut comme se moquer dans Jésus. Et qu'on la pardonner. Ah, ok. Mais sauf blasphème contre le Saint-Esprit. La Bible déclare que ils a péché mon cause à impardonnable. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors pour moi, tel acte. Et ça va blasphème. Pourquoi? Parce que comment est-ce que yon moutou? Il faut que osa na batwa ngona bandima makamba bongo et kamusa ngai. C'est ça aussi. Donc yon maman mobimba. Donc oyelo kaka boye pour ba pesi mbongo pour jouer rôle. Pour jouer rôle. En tout cas, ils allaient vraiment. C'est pour la gloire du pasteur. Pour la gloire. Yanzambe était mais pasteur. Impressionné. C'est vraiment triste et ba makamba nyo surtout Jésus-Christ l'a dit na temps de la fin tout comme on a ba tel acte. Pour moi vraiment ça ba bilo comme ko boye. Parce que comment est-ce que mudako matina niveau wana? Très bien. Ya kokoma na niveau ya kofuta mutu mbongo pona mutu ayeba ko sala faux miracle ayeba ko kosa miracle pona gloire. Et ceux qui posent une gloire en haut, ndo sai nango nini? Très bien. Et ça la gloire moko eza éphémère. Très bien. Lorsque on cherche Dieu dans la profondeur, nzamba ko pesa odoxa. Donc ça eza ka gloire moko oyo mutako ko longola te. Alors lorsque tu cours derrière ces choses, eza makamo eza ka passager. Mais lorsque tu cours vers l'intimité, okozu wa gloire ko ezaka éternel. J'aime la gloire au Nzamba pesaka parce que même si lelo kufi kombo na yo kokufate. Nous avons connu nos pères ba idina bala ti lo tolobelaka bango parce que ce sont des gens o batamona na kubanga Nzambe pe ba œuvre na bango ti lelo zolo ba ma parce que ils étaient des gens o batamona katia kubanga Nzambe. Ezali ba œuvre moko ko encourager te surtout na katia nouvelle génération o tozo mata oyo nous devons être tellement prudents par rapport à ces choses parce que même si o sali yango batu ba ko betelo maboko batu ba ko lo ba ko za prophète ozali serviteur de Dieu tu es puissant mais na simana yango ko gagner ni. Ce sont des choses où ils allient passager paix ils allent au moko pour gagner le moko. Alors à tous et à toutes merci pour votre attention sur Équilibre Télévision. Encore une fois Yalu Zombala de Madrid, nous vous saluons. Les célèbres Dien Zundu na Washington, les Végéra Saddam na Manchester, on est ensemble pour de vrai. Merci à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Je remercie également il y a Justin Panzou.
Il y a Justin Panzou, le grand Moyombe, depuis Londres. Et merci à Papa Silanzanga à Paris. Et pourquoi pas aussi dire un clin d'œil spécial à Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, notre conseiller. La Suisse, Mbote Nabino. Nous voici arrivés à la fin. Mimindoumé, Namouching là-bas. Nous voici arrivés à la fin. Alors, Bandeko, nous avons un problème lié avec la spiritualité. Lié à une famille, une réclamation. Tombez aussi la terre pour les enfants, pour vous-même, pour votre travail. En tout cas, donnez la chance aux bons serviteurs de Dieu. Numéro, il y a prophète Samuel Louembeza affiché au bas de vos écrans. Alors, contactez-les pour vos soucis. Appelez, restez en communication, parlez, il est toujours disponible avec vous. Donc, merci beaucoup. Dictez votre numéro de téléphone à Souka et puis s'il faut les exhorter. Okay. Dans mon dernier message, je vous salue bon bien. D'accord, notre numéro est Ali, plus 243 82 87 68 389. Je répète, plus 243 82 87 68 389. Alors, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour tous les malades. Yom Tozobela, Ozo Kabiente, de partout où tu es, notre Dieu Azakanzambe à distance t'es. J'aime ce que les centeniers disent. De là où tu es, Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors je déclare et je prie au nom de Jésus que Dieu restaure ta santé. Bisika ozoka biente nzamba pesa bonne santé. La Bible me dit ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère le tas de ton âme. Je prie que ta santé soit restaurée. Je prie que ton corps et bako zongi sa activité nango normal parce que nzambo abengayo abenga te poza na kati ya faiblesse mais abenga oza na kati ya force parce que tant oza na kati ya force ne okoluka pona bana na yo ne okosala pona famille na yo Elia ne okosala pona libota no bako évoluer. Je prie cela dans le nom tout puissant de Jésus. Alors nous avons aussi des activités par rapport ya batunyo so bazana poser à ko développer ba grâce. Badon na bango tozana otozobenga collège des prophètes ezali structure moko ya enseignement tu veux développer ba grâce ya ba guérison parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi tu as des grâces tu as des dons moyebite kozaka na ba grâce wana oyebite pe lolengeni ya kosa elango. Or la Bible nous dit que aspirer aux dons alors oko contacter biso na ba numéro oza au bas de vos écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous l'homme de Dieu. Merci à toutes les familles de partout où vous nous avez suivis, en Afrique, en Europe, en Amérique, même à niveau d'Asie. Que Dieu se manifeste dans vos familles. On est ensemble. Merci l'homme. Merci beaucoup. Bye. Bye. Mbote bande ko ezanga maman Mika mosungi ya population. Nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. Pona problème ya santé, ndeko za na problème ya hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Mboudi mboudi, bande koboya ba solution ezali. Ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix. Tobuki ba prix. Na 30%. Côté cosmétique, toza to ba produit na biso tel que Thémétis, oui. Toza na Thémétis, toza na crème de beauté Mika, mafuta ya kopakola, toza na savon, savon na biso gommant, oezo traité. Eza contre ba tache, ba acné, ba bouton pe ba vergeture. Vous allez na savon noir na biso, oui. Ils ont traité, ils sont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils sont très efficaces. Vous allez na crème de visage na biso, ils ont embellir et long, ils ont rendre long lisse et très propre, très agréable. Vous allez na huile d'ananas, solution ngoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Vous allez na lotion tonique pour na ba ta tampon, vous allez na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé. Vous allez na gommage fait à base de café, ils ont rendre longi propre, ils ont longola ba bouton, nyo surtout ils ont kené na ba graisse. Vous allez na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème ali bandi. Souki kola ka ou bien té, ba produit yango yo est très naturel, ils ont
bongisa ba très très naturel ka banenge mama lobi na pomade anti sola mapeka ndeko yo zali na problème solo o dégage ka o transpira ka mingi solution yango eye pomade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kiss ya poussière ya ngoyo okomela na kaya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674. Adresse Nabiso Tozana, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga basi ozokoka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozokoka ko pesa zemite. Bakisi yango eye eza très efficace. Boya ebele bokozala décité. To buki ba prix, ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye.